Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit haul spécial action pour Pâques. Donc j'ai vu de belles choses pour Pâques, mais il y en a, j'ai pas trop pris, je me suis un peu calmée sur les courses, mais je vais vous montrer quand même sur ce que j'ai trouvé, surtout pour la semaine d'action, les petites promos. Donc c'est parti, déjà le sac de Pâques action, je crois c'est 69 centimes, je sais plus. Le sac de course, il est pas mal, hein, il est mignon quand même. Avec le petit lapin, enfin le petit lapin, non, il n'y a pas de lapin au final, non, non, c'est, qu'est-ce que c'est? On dirait un petit mouton. Donc voilà, des petits chatons, des petits oiseaux et des petites brebis, je sais pas, franchement. C'est mignon comme tout. C'est très beau. Derrière, c'est pareil. Allez, je vous montre. Déjà, j'ai même fini les donuts. On dirait que c'est américain, mais c'est écrit des donuts halal. J'avais pas vu du coup. Ouais, je l'ai vu au dernier moment, ça. C'était goût fraise. Oh, c'était super bon. On aurait dit les gâteaux américains d'anniversaire. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. C'est pas mal, franchement, j'ai aimé. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle les Cravings Donuts Strawberry. Coated cake with strawberry flavor filling. C'était trop bon. La texture du donut était comme un gâteau. Et c'était fourré aussi à la fraise, sorte de confiture fraise. Mais le glaçage, oh là là, il était magnifique. Le glaçage à la fraise, très gâteau d'anniversaire, quoi. C'était un peu vanillé aussi. Super bon. Donc voilà. C'était des gros donuts que j'ai fini. Super bon. J'aurais dû en laisser un pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Et je crois que c'était pas cher. C'était 1 euro. 1 euro quelque chose. Ensuite, j'ai repris des petites biscottes à l'ail. Trop bon. C'est trop bon cela. Aux herbes à l'ail fines herbes. Oh, j'ai du mal. De la marque Beckies. Donc c'est hollandais, from Holland. C'est trop bon ça, avec du fromage ou peu importe, le fromage de chèvre aussi. Oh là là. C'est trop bon. À mettre au four ou au micro-ondes pour faire fondre dessus. Ensuite, j'ai pris une petite robe en synthétique, style maillot de bain, quoi. Et c'est en taille unique. Robe bretelle, quoi. Longue robe, voilà. Bien fleurie, comme je les aime. Et un sort de comment on dit, comme un ceinturon ici. Ça, voilà, cintré, on dit. Oh, cintré. Oh là là, j'ai du mal dès le matin, moi. Donc voilà. Il est pas mal et il m'a coûté, je crois, 5,99. Je vais revoir le ticket de caisse d'ailleurs. On va voir ça. La robe. La robe. Becky, pain à l'ail. Il a combien? Pain à l'ail, 99. 9 centimes, ouais, 1 euro, quoi, le pain à l'ail. Action sac 59, j'avais dit 69. Donc encore mieux si c'est vraiment moins cher. Et la robe longue, 5,99. Donc voilà, très belle robe. Moi j'aime bien, c'est pratique. Ensuite, j'ai fini aussi les Cheetos Crunchetto Cheese Flavor au fromage. C'était trop bon. Franchement, tu sens bien le goût du cheddar américain. Qu'on ressent surtout dans les mac and cheese, les coquillettes américaines. Trop bon. Celui-ci, il était à 89 centimes. Ensuite, les gobelets. Les gobelets un peu tropicales. Très jolis, j'en ai pris deux. J'aurais dû prendre aussi les bols qui vont avec. Peut-être je verrai la prochaine fois si j'en vois. Franchement, je suis allée une heure avant la fermeture, j'ai fait très vite, hein. Donc voilà, j'ai pris deux modèles, c'était les plus jolis. Très tropical, j'adore ça. Et c'est en, comment ça s'appelle? Mélamine.
approuvé. Donc voilà. Combien ils étaient? Gobelet 82 centimes. Ouais. Ah, c'est écrit gobelet printemps. Ah, collection printanière, d'accord. Ok. Ok, ok. J'aime bien les collections de vaisselle là-bas par saison au final. En été, il y a surtout des palmiers, des jungles, des motifs jungles, je veux dire. C'est pas mal. Donc ensuite, j'ai trouvé ça à dans les promotions de la semaine d'action. 3,99 je crois. 3. Attends. Moi, la mémoire. C'est. Tu sais, quand t'aimes un truc et que tu vois que c'est en promo. Mais des fois, les promos, c'est pas ouf à action. Hein. Alors, combien il est? Ah, voilà. 3,59. Bon, ça va. D'habitude, c'est 4 euros à prix de base. Ensuite, les biscuits style comme les, ceux des Nutella, là. C'est une copie, mais c'est une bonne copie. Franchement, ils sont super bons. C'est comme les Nutella, quoi. Tout simplement, mais en moins cher. Et ceux-là, ils m'ont coûté, je vais vous dire, 1,35. Ça va. Franchement, ça va. Et le dernier article. Dernier article, c'est un spray pour cheveux pailleté. Bleu. Bleu métallique, on va dire. Bleu métallique. Il est très beau, hein, bleu ciel métallique. Et ouais, c'est liquide. Il y avait du rose, de l'argenté et du doré. Voilà. Il y avait quatre. Ouais, ça fait quatre. Hein. Quatre teintes. J'ai pris la bleue, histoire de. Parce que si je prends de l'argenté, ça va faire un peu vieille. Si je prends rose, ça fait un peu Barbie. Et si je prends doré, c'est pas mal aussi doré quand même. Donc voilà, j'aurais bien voulu du vert et tout, mais j'aime bien le bleu aussi. Donc voilà. Sauf si je mélangeais avec du rose, ça aurait fait du mauve. Du coup, c'est pas mal. J'ai hâte de tester ça. C'est sur la frange aussi, sur ma frange. Donc voilà. Pour action, c'est fini. Je pense y repartir parce que j'ai fait très vite, hein, franchement. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si y a des produits coup de cœur que vous avez trouvés ou que vous me conseillez. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!